Hello everyone, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Volant, j'ai fait un pèlerinage en Compostelle. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve en marchant que je rencontrais les jeunes autochtones à travers le Québec, l'Ontario, le Labrador, et je leur parlais de l'importance de croire à leurs rêves. Est-ce que vous croyez à vos rêves? Est-ce qu'on croit à son rêve? Do you believe in your dreams? Do you believe in your dreams? Yeah! Et aussi dans mon rêve, il y avait des aînés qui me parlaient de l'importance de mon histoire, de ma culture, d'être fier à qui j'étais. Ce rêve, cette vision m'a poussé à entreprendre une grande marche de 6000 km à travers les communautés du Labrador en Ontario et j'ai rencontré plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce rêve, c'est aussi ma vision pour le Canada, un pays où les peuples autochtones retrouvent leur fierté culturelle, un pays qui pense ses blessures causées par les erreurs du passé et qui bâtit des ponts et où les endroits, tous les jeunes autochtones puissent avoir le courage et aussi les possibilités de poursuivre leurs rêves. Et j'espère un jour que le Canada pourra inclure dans sa constitution les Premières Nations, les First Nation people, Indigenous people in this constitution, I'm sorry. And in my stick, dans mon bâton, je porte le rêve de plus de 15 000 personnes. Je m'engage à en récolter encore plus et à continuer d'inspirer les jeunes à croire à leurs rêves, parce que ce sont eux qui vont façonner notre avenir et c'est vous qui allez façonner notre avenir de notre nation. Et j'aimerais rajouter un autre rêve à mon bâton, ici et maintenant. Je demanderai donc à notre prochaine invitée de se joindre sur la scène. Veuillez accueillir Annie Apogarian, une jeune femme qui veut révolutionner le monde de la médecine. Merci. Annie, you're going to share your dreams with my stick, and I'm going to ask everyone here to share your dreams with my stick. You're going to close your eyes. Fermez vos yeux. Think of your dreams, of your dreams. Never give up on your dreams, and may the stick of the 15,000 dreams give you the energy and the courage to never give up on your dreams. And one day, your dream's gonna be reality. You're gonna encounter difficulties, but you have to rise up again and walk on the path of your dreams. And one day, it's gonna be reality, and you're gonna help other people to realize their dreams, to make this country a better country for everyone, for our youth, a better country. Thank you. Miigwech, teneshke matno. Yes. Hello, we day. Je vais maintenant vous parler de mon rêve et de ce que j'ai réalisé pour atteindre mon objectif. À 16 ans, je faisais du bénévolat à l'hôpital. J'accompagnais les patients à leur séance de dialyse, un traitement pour filtrer le sang quand les reins ne fonctionnent plus. J'ai rapidement réalisé qu'il y a un immense besoin pour un traitement accessible dans le monde pour la dialyse. Donc, une chose est devenue immédiatement claire. La dialyse est inaccessible à 90% des patients vivant en Inde et au Pakistan et dans le monde en développement qui ont besoin de ce traitement pour survivre. La barrière principale, c'est le coût. Un seul appareil d'hémodialyse coûte environ 30 000 $. Alors, c'est devenu mon objectif personnel de concevoir un appareil d'hémodialyse qui pourrait être construit et envoyé à travers le monde pour une fraction du coût. Mon prototype actuel a une valeur de 500 $. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans et mon projet se nomme Dialysave. Nous sommes une toute nouvelle compagnie médicale basée à Montréal et nous allons fabriquer les machines à dialyse. Mais nous voulons aussi devenir une entreprise sociale qui sensibilise les gens au manque d'accès mondial des soins de santé. Merci. Alors, j'ai fondé Dialysave avec une équipe géniale d'ingénieurs et de scientifiques qui travaillent extrêmement fort pour transformer ce rêve en réalité. Toute bonne initiative nécessite un premier pas. Et mon Canada du futur est innovant. Je m'engage alors à continuer de penser hors des sentiers battus et j'invite tout le monde à prendre leur premier pas pour changer les choses aussi. Merci la journée unie pour l'action.